La Clément, le temps clément, le temps pas lent, personne se ment. Entre potes dans la chambre, oui, dans la rue que tout le monde chante. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. En réalité, il est 8h. Il est 8h. Il est 8h15. On est là, gang gang. On n'est plus que deux. Non, je rigole. On est encore trois. Camille, bah. Elle dort. Elle dort. On est bien. On est tranquillou bilou. Dernier jour. Dernier jour. Oui, dernier jour avant le grand départ. Avant le grand départ. Mais c'est pas grave, parce que ascenseur émotionnel, j'ai commandé une montre Samsung. Alors oui, bon voilà, mais comme en vrai on n'a pas claqué des 100 et des 1000 durant ces vacances, je me dis, tu sais quoi, ça fait partie du truc, et je vais recevoir ça demain, donc quand on rentrera, donc c'est cool, bref, on s'en fout, je raconte ma vie. Du coup ça fait tristesse départ, mais en arrivant, content, nouvelle montre. Exactement, exactement. Chose, ça compense la tristesse. Exactement. Ça te permet d'oublier que t'es plus en vacances. Ouais, bah et puis en plus c'est pas vrai, parce qu'au mois d'août on est encore en vacances, et ça... Et ça, c'est bien. Donc aujourd'hui, dernier jour sans Victor, donc on va se la faire à la cool. Et on va se refaire du coup baignade dans le lac Léman notamment. Et j'ai trouvé un petit coin très sympa, je pense. Hier, on était à Évian-les-Bains. Et en vrai, c'est, je pense, très. Enfin, il y a beaucoup de monde là-bas en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'était sympa. Et en fait, là, ce qu'on va faire, comme on aime bien les McDo, et on s'est dit, il faut qu'on se fasse un McDo quand même. On est quand même dans un endroit où il y a des spécialités. Mais on veut se faire un petit McDo quand même. Et du coup, on va aller à... C'est à côté de Thonon. Oui, c'est juste à côté de Thonon. Thonon-les-Bains, bien sûr. C'est une petite ville, c'est à l'ouest. Je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, bah, enfin, c'est simple. C'est là où, le seul endroit où il y a un McDo, donc comme ça, vous savez. Et donc, on va se prendre un McDo là. Et à quelques... pas très loin, il y a une plage gratuite. Pas comme à Thonon, donc on ira manger le McDo là-bas en mode pique-nique et on ira se baigner après. Et puis après, on pourra toujours passer par Thonon, se balader une fois qu'on a fini de se baigner, tu vois. Ouais. Que Camille veut voir. Ouais. Moi, j'aimerais trop repartir avec un bracelet pour. Voilà quoi. Ouais, bon, le dernier bracelet que j'avais, c'était un bracelet rose. Du coup, j'ai envie d'un autre bracelet pour une bien meilleure occasion. Bon, faut bien laisser les autres travailler un petit peu, hein. Effectivement. Hein? Merci, frérot, c'est une balise. Non, regarde, ça c'est une balise là-bas. Tu vas en premier ou quoi? Non, vas-y, je suis. Oh, t'es une salope. Adieu. Adieu. Un mot à dire, Nicolas, pour tes adieux? J'ai peur du froid. Et on est à je sais pas combien de mètres. Ah plus, hein, du froid. J'y vais. 5, 4, 3, 2, 1. Il s'est tenu à la barrière. Ça va? Ah, elle est trop bonne. Elle est trop bonne, votre barrière. Ah, et la bouée de sauvetage. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Alors, elle est trop bonne. C'est un peu frais, mais ça va. Ouais, j'avoue. Alors? Ah, c'est trop bien. Bon, des avis pour l'eau? C'est, franchement, c'est trop bien. En vrai, elle est même pas. Yes. Bah, quand on fait pipi, elle est jolie. Alors dernier jour de vacances, nous faisons du pédalo. Voilà, donc moi je me casse. Allez, ciao. Là, on est très très bien les amis. J'adore. C'est notre dernier jour et je pourrais rester ici 30 ans pour de vrai. Hein. Et alors j'ai appris deux choses que je retiens en tout cas de ce séjour. Premièrement, le lac qui est froid, mais la température extérieure chaude et pas de vent, c'est un bonheur. Tu ressors, t'es sec instantanément et t'as kiffé ta vie. Et t'es... Non, t'es pas sec mais t'as pas froid. Ouais, mais tu deviens sec assez vite, assez rapidement et c'est que du bonheur quoi. Genre ça te rafraîchit incroyable. Et deuxième truc, les nanas. C'est exactement ça. En fait, je rigole les amis parce que Camille, elle m'a vu prendre la caméra en main et elle savait déjà qu'est-ce que j'allais dire. Elle a commencé. Bon les amis. Ouais, c'est ça. Bon les amis, bah c'est ça. Du coup, ben bon les amis. C'est là-dessus que tout se termine. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler très sincèrement
tout ce vlog. Je suis en contre-jour, c'est génial. Bon, je vais m'en mettre à l'intérieur parce que j'entends des bruits bizarres, hein, j'ai peur. Ah là, on est bien. Bah là, on me voit pas. Bah du coup, pendant que Camille cherche son yop derrière et que Arthur est en train de se laver le fion. Eh, d'ailleurs, le fion, c'est un petit village qui est pas loin. Ça me fumer. Ah, ça me flingue. Voilà, c'est rigolo. Et du coup, c'est pas vulgaire, le fion. Petit placement de produits, hein. Les produits laitiers. Et si jamais, hein, vous voulez faire un petit sponsor, pas de problème. Hein. Non, bah du coup, en vrai, je vais me servir aussi un verre. Ah bah, à la santé d'Arthur. Hein. À la santé de Victor. Oui, du coup, ce que je disais, les amis... Il était pas encore ouvert, hein. Non, non. Secoue bien. Secouez bien. Secoue bien, voilà. Je fais genre, mais en fait, je suis dépité. Je suis dépité que ce soit à la fin. Non, non, mais tu veux peut-être pas boire la bouteille directement. Mais je voudrais, s'il est encore bon. Mais il est. Mais goûte. Je sais pas comment, à quoi va ressembler ces derniers épisodes, parce que très concrètement, lundi, mardi, mercredi, je crois, il y a eu quand même pas mal de contenu en termes de vidéos. Et jeudi, vendredi et samedi d'ailleurs, je pense que tout sera combiné parce que j'ai pas beaucoup filmé. Par contre, on s'est bien amusé, on a bien profité. On s'est baigné jeudi dans le lac Léman, vendredi aujourd'hui donc dans le lac Léman. Voilà, on s'est trop régalé, donc j'ai pas pris ma caméra, mais c'était vraiment trop bien. Merci monsieur. Mais avec plaisir, bon, on va goûter. Hein. Du coup, à demain pour la fin, le retour. De Mkololo Rigolo. Allez, des bisous. On retrouvera Arthur demain. Ah oui, j'ai le nez rouge aussi. Ah oui, alors vrai que j'ai bien l'air d'un con quand même. Deux aussi. Hein. Ah, j'ai des coups de soleil de partout, laisse tomber. Enfin bref. D'ailleurs, les petits souvenirs pour la famille, regardez, j'ai pris du reblochon de Savoie, bien évidemment, x2. Et puis ça vient des Alpes, le fruit de l'Alpe, comme ils disent. Et puis je sais pas, c'est du petit savoyard, fruitier, chabert. Fruitière, chabert. Donc on va goûter ça, tranquille, Guilou. T'as passé du bon temps, toi, du coup? Bah oui. C'est cru qu'il était en train de boire. T'as passé du bon temps aussi? Excellent. Je me suis fait engueuler beaucoup de fois. J'avoue. Je disais. Ça que t'es rouge comme une crevette. Voilà, les crevilles, c'est que décortique-moi la queue, tout ça, voilà. Ouais, en vrai, c'est pas mal rouge. Ça se voit bien, la caméra. Ah, quand même. Je te raconte de partout seul ou quoi. Et le nez? Vous voyez voir le nez? Ouais, bah le nez, mon pote. Il est rouge aussi. Hein. Ah, mon nez, il est rouge. Hein. Bon, bah voilà. Du coup, je pose ça là. Comme non. Ça. Les abonnés, ils sont contents. Hop, attends, ah merde. Oh! Mais non, tiens, non, il faut pas la tenir par là. Dernière fois que je verrai ce paysage ici comme ça. Et un truc que j'ai complètement oublié. Un truc qui était incroyable, on a juste pris une petite demi-heure de pédalo dans le lac Léman, c'était incroyable. Partir à 300 mètres du rivage grand maximum, pouvoir sauter dans l'eau, c'est... Ouais. Ça gaze. Vidéoception. Ben voilà. Et au-delà de ça, c'était bah, vraiment un plaisir d'avoir rencontré Victor. On a beaucoup parlé. On a enfin pu se dire pas mal de choses aussi, le soir. Évidemment, qui n'ont pas été filmées, c'est logique. C'était vraiment trop bien. Ouais, bah c'est... Un chic type. Ouais. Bref. On était vraiment bien. J'ai le démon. Bon, le petit plan B, quand on oublie sa caméra pour vlogger, bah, on prend le téléphone, hein. Voilà, bah on profite encore à fond de notre dernier jour, de notre dernier soir. Paysage. Et oui, parce que je viens de capter, après une semaine dans la location, qu'il y a un bruit de fond qui m'embêtait un petit peu. Toute la semaine, il y avait un bruit de fond qui m'empêchait un petit peu de dormir. Et à un moment donné, Camille me dit, ouais, il y a une cascade. J'ai jamais vu la cascade, mais en fait, elle est là. Voilà. Mais en fait, c'est pas ouf. On la voit beaucoup mieux du haut. Regardez, c'est notre chalet, c'est notre chez nous, là. Enfin, demain, ce sera plus chez nous, mais là, c'est chez nous. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Ça marche pas. Oh non. Ah, c'est marrant. Ce qui devait arriver arriva, toutes les bonnes choses ont une fin, et je répète ça depuis hier, depuis même avant-hier si vous voulez, mais voilà, ça y est. Là on est samedi, on est parti pour le grand départ, là il est 7h30 du matin, on va partir pour 10h, on a tout rangé. Enfin, on est en train de tout ranger. Regardez le beau gosse. Regardez qui voilà. Le beau gosse. Ah non, ils sont deux. Bon. Moi, comme d'hab, je me suis fait mon petit coin. Tranquille ou bilou. Tu veux derrière? Ouais, derrière. Splatoon, ouais.
Hop là, j'aime pas Splatoon. Sous la chaleur, ce coffre ne s'ouvre pas. Voilà. Ouais, il fait des trucs capricieux. Voilà, bon là du coup on a de la chance, on est le matin, on est bien, donc voilà. Ah oui, il y a mon sac à dos encore. C'est un cadeau. Hop là. Adieu cette vue. À jamais. Regardez comme c'est tout propre, comme c'est tout beau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ça fait bizarre, hein. Ouais. C'est comme la première fois quand on est rentré, en fait, on est arrivé. T'enlèves juste les sacs et puis c'est la même chose, quoi. Oh, waouh, c'est trop joli. Mais c'est incroyable. C'est vrai qu'on s'est bien étalé quand même. Hein. Moi, quand je vais chez Arthur, c'est pire. Hein. Bah, moi, quand je vais chez personne, c'est pareil. What?